Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadou Doumbouya. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du comité de gestion de la crise liée à l'incendie au dépôt de carburant de Kaloum. Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique et des forces de défense et de sécurité. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et institutions internationales accréditées en République de Guinée. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames, Messieurs les maires des différentes communes de la capitale, respectés grands imams et archevêques de Conakry, vénérés sages et chefs religieux de Conakry, chers parents et proches des victimes, chers amis de la presse publique et privée, chers compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, à vos rangs, types et protocoles et tout grade observé. Mesdames, Messieurs, chers parents et proches, avant de commencer mon propos, je vous prie de vous joindre à moi pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes de ce tragique incendie en ce jour béni du vendredi saint. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Merci bien. Que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, ait pitié de leurs âmes. Amen. Mesdames, Messieurs, chers parents et proches, c'est avec une profonde tristesse que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage aux victimes de l'incendie dévastateur qui a frappé le dépôt des hydrocarbures de Kaloum. Cette nuit fatidique du 17 décembre 2023 et qui restera à jamais gravée dans nos mémoires et qui représentera une date sombre de notre histoire commune. Après la période de deuil et de grande douleur pour notre nation, nous nous tenons ensemble pour vous exprimer notre solidarité et notre compassion. La perte en vies humaines et les destructions causées par cet incendie constituent un événement qui hantera pour toujours notre mémoire individuelle et collective. Aujourd'hui, en honorant la mémoire de ceux qui ont été malheureusement emportés par cet incendie, nous tenons à exprimer notre solidarité profonde envers ceux qui ont été touchés par ces pertes regrettables. En tant que responsable de la gestion de cette crise, je suis très bien placé pour vous dire à quel point Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya a tout mis en œuvre dès les premières heures pour venir à bout de cet incendie et assurer la prise en charge totale des blessés et des victimes. C'est le lieu, Mesdames, Messieurs, et le moment de le remercier très vivement au nom de toute la nation pour son leadership. Mesdames, Messieurs, chères familles et proches, cette tragédie nous rappelle l'importance vitale de la préparation, de la coordination et de la réactivité lors des situations d'urgence qui ont permis naturellement de limiter les dommages. Chères familles et proches,
Nous honorons aujourd'hui la mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Leur absence laissera un vide immense. Nous partageons votre chagrin et votre peine et nous vous assurons le soutien inconditionnel du gouvernement pour un retour normal à la vie que vous meniez avant, sinon meilleure. Mesdames, Messieurs, chers parents et proches, en ces moments difficiles, il est essentiel que nous nous initions en tant que nation. Nous devons faire preuve de solidarité et éviter tout ce qui est susceptible de nous diviser en observant le calme et la patience. Je puis vous garantir que la sécurité, la protection pour le bien-être de nos concitoyens sont des priorités absolues du chef de l'État. Pour finir, chers parents et proches, je voudrais vous renouveler au nom du chef de l'État nos condoléances les plus émues et notre engagement pour vous soutenir, et ce soutien ne faiblira jamais. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى وله ما أخذ. كل شيء عنده لأجل مسمى. لتخبروا ولتحتسبوا أعظم الله أجركم وأغفر لموتكم. إن الله يرسل الملائكة لتسب البلاء على العبد ثم يسألهم هل سببتم عليه البلاء فيقولون نعم يا رب فيقول لهم أعيدوا عليه البلاء وصبوه عليه سبا فإني أحب أسمعه يقول يا رب فإني أحب أسمعه يقول يا رب والله أعلم وممرد بلما أعلم أنا لا يا أمة ومن ولا نبلونكم بشيء من الخوف أن هو فاقابل الأمة أن هو فاقابل في غير الأمة أو أمة ومن والله أعلم أمان لك يا مبشر الصابرين إلى الصبر مثلي كما ينقصه الأبيض من الدنس يا رب العالمين.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنه، ومن توفيته فتوفه عليهما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Au nom de l'Église de Guinée, au nom de nos prélats de l'Église catholique, anglicane et évangélique, adresser nos condoléances aux familles victimes, au peuple de Guinée, et de façon implicite à nous tous, ici présents ou ailleurs, qui ont été marqués et touchés par ce départ tragique de nos frères. En de pareilles circonstances, seul Dieu qui peut apporter la consolation. Lui sait pourquoi il lui a plu de rappeler à lui de faire cette manière-là. Et lui seul a la possibilité de nous apporter la consolation. C'est pourquoi nous allons tout simplement prier. Nous voulons t'exalter, t'élever en dignité, notre Père notre Dieu, pour ta grandeur, ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tout ce que tu fais est bon et parfait. On ne comprenne pour pas, Seigneur, qui nous aime d'un amour éternel et que tu nous conserves ta bonté. En tant qu'être humain, en tant que nation, on est attristé, on est ennuyé. Mais on ne peut que faire recours à toi, Seigneur, pour que on reste consolateur, que tu apportes la consolation au peuple de Guinée. Nos frères qui vivent maintenant, Seigneur, nous l'arrêtons en tenant, Seigneur. Toi, le Dieu omniscient, toi, le Dieu plein de bonté et de miséricorde, Seigneur. Et éternel, nous savons que leur vie est en tenant, Seigneur. Nous voulons notre Père pour te prier, pour le peuple de Guinée, Seigneur, pour que tu éloignes de nous de telle tragédie à l'avenir. Mais tu apportes à notre peuple, Seigneur, la paix, la tranquillité, le bonheur. Seigneur, donne à chacun de nous de nous approcher à chaque moment à toi, Seigneur, car nous aurons aussi ce temps où on va te rencontrer, Seigneur. Ça peut venir d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mais nous voulons être en relation avec toi. Et l'Éternel apporte la paix, la consolation, la bénédiction. On a prié au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Pleurez. Lorsqu'un drame nous arrive, nous ne devons pas pleurer parce que quelque chose prend fin. Nous devons sourire parce qu'elle a eu lieu. Dieu nous a permis de connaître nos frères. Dieu nous a permis de passer des bons moments avec eux. Dieu nous a permis de se côtoyer. Remercions plutôt pour ça au lieu de pleurer. Ne pleurons pas pour le débat. Sourions parce que nous avons eu. Dieu nous a permis de connaître ces êtres sympathiques et qui nous quittent aujourd'hui. Que lui, qui a décidé de les retirer parmi nous, les accueille dans son paradis éternel et que sa volonté soit faite ici et partout dans le monde. Merci beaucoup. Respectifs avec mise à disposition d'ambulances pour le transport des corps.